Bonjour, bienvenue chez La Petite Ligne. Donc aujourd'hui, nous sommes dans mon bureau où j'ai deux terrariums qui accueillent des varans de Kimberley, donc Varanus gluerti, une espèce de varan australienne qui est vraiment excellente et super intéressante. Donc moi, j'ai toujours rêvé d'en avoir. Avant, c'était très difficile d'en avoir, c'était impossible de les avoir en Europe. Depuis une petite dizaine d'années, ils sont disponibles en Europe, nés en captivité. Voilà, on a un petit groupe ici constitué de un mâle et deux femelles dans ce terrarium-là et un couple. Donc vous voyez, c'est des animaux qui vivent dans les Kimberley. Donc à la base, c'est pas vraiment des animaux arboricoles. Ils vivent plutôt dans des pans rocheux. Ils sont très habiles. Ils sont vraiment d'excellents grimpeurs. Ils peuvent faire des bonds assez impressionnants. C'est vraiment une espèce géniale. Donc c'est pour ça que on leur a mis plutôt des terrariums, donc des AirTags de 90, 60, 100. Donc il y en a deux. Vous voyez, ces animaux qui sont très calmes, ils sont très habitués à notre présence. On peut voir là la femelle. Là, bon, donc il est tard, hein, c'est le soir. Il y a une des femelles qui est à une position tout à fait acrobatique. Elle va probablement dormir comme ça. Donc ça, c'est une femelle qui a pondu il y a 2-3 jours. Et justement, c'est ça que j'aimerais vous montrer. Donc ici, dans ce couple-là. Je voulais vous montrer actuellement, il y a une femelle qui est dans son bac de ponte en train de creuser. Alors je vais éclairer de manière à ce que vous voyez bien, mais c'est assez marrant. Donc ici, on voit la tête là. Donc il y a le mâle qui est là, coucou, qui s'apprête à se coucher parce que bah, au moment où on filme, il est 19h. Donc là, elle a décidé de creuser. Donc on la voit bien. Donc on fait des bacs assez profonds. Donc, on met une bonne épaisseur de sable mélangé avec de la tourbe qui est humide pour leur permettre de faire un. Elles font des terriers assez impressionnants. Vous voyez là, elles rentrent carrément. Donc elle va creuser tout au fond, comme ça. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouvais ça vraiment sympa et intéressant. Donc comment un varan de Kimberley va déposer ses œufs? Donc là, on la voit bien en train de creuser. Donc elle gratte. Et après, elle va se retourner dans le terrier pour déposer les œufs. Donc voilà, on fera, bien évidemment, on vous fera une petite vidéo. On va pas vous faire languir. On vous fera une petite vidéo de la ponte et comment on récupère les œufs. Et puis, on essaiera de faire le process dans plusieurs mois quand les œufs. Écloront, on vous fera une petite vidéo des éclosions parce que c'est toujours un moment vraiment magique. Voilà, je voulais vous faire partager ça. Notre deuxième femelle, Varanus gluerti, qui est en train de préparer son site de ponte. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Reptiligne sur YouTube. Au revoir!